Et donc, synergie entre les différents acteurs et de la recherche. On commence donc par le professeur Lyonnais et puis on enchaînera après. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Je bats les masques. Merci d'avoir eu la gentillesse de me faire passer en premier parce que j'ai un petit contretemps personnel qui fait qu'à la demi, il faut... Mais je vous rejoindrai après. Donc l'idée, la question qui a été posée, je crois, par la table ronde, c'est comment essayer, c'est pas une question nouvelle et elle reste très profonde, comment essayer d'assurer des synergies entre recherche, science d'un côté, médecine, soins de l'autre. Et je voulais vous montrer très, très brièvement et au fond, peut-être pour lancer des pistes plutôt pour que d'avoir des réponses arrogantes et écrasante d'imagine, mais de vous dire ce qu'on a pu mettre en place, ce qu'on a eu la chance de pouvoir mettre en place. Franchement, on a pu faire ça parce qu'on a des maîtres et des patrons qui ont eu la vision, je pense en particulier à Claude Gresseil, qui ont la vision qu'il fallait faire ça du début. Il l'a fait comme PDG de l'Inserm, il l'a fait pour Imagine, que c'était dans cette interface, dans ce creuset entre science et recherche, que le plus original pouvait se faire. La question est d'autant plus... les diapos, c'est pour m'aider, c'est pas pour vous. La question est d'autant plus pertinente qu'on s'adresse aux maladies génétiques, c'est à l'hétérogénéité totale, absolue, de gènes, de mutations, de mécanismes. Donc on est devant le plus hétérogène. Comment est-ce qu'on fait la synthèse de ça? Très difficile, impossible. Surtout quand on construit, imagine, sur la coalescence de 24 labos de recherche. Regardez pas, c'est pas lisible. Ça sert à rien, enfin. Et 31 centres de référence maladies rares en disant « Les gars, vous allez travailler ensemble ». Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ils sont formidables, les 24 et les 31. Mais il y en a même qui, les 4 à droite, c'est des labos qu'on a labellisés, imagine, dans le campus. Sabine Sarnacki, Michel Pollack, Nathalie Bodart, Yves Ville, parce que leur outil, c'est de la recherche clinique. On ne va pas déplacer une IRM 3 Tesla dans, imagine. En revanche, on l'a financé pour Nathalie. Voilà des exemples, pareil pour le robot chirurgical. Et la filière tête-cou est juste un petit clin d'œil, est quand même très représentée là-dedans, et dans les labos, c'est le labo de Laurence Legémalet, Valérie Cormier, le labo de Jeanne Amiel, et dans les centres de référence, vous êtes ici, c'est pas la peine de vous montrer, mais enfin, c'est extrêmement représenté. Quelles sont, en quelques vignettes très rapides, les réponses qu'on a eu la chance de pouvoir apporter? Un, l'unité de lieu. C'est pas pour faire racine, mais c'est le fait... d'être au même endroit, au moins une partie du temps, est absolument essentiel. Il y a vraiment des trucs qui ne peuvent pas se faire. Alors, on ne programme pas une découverte. Je vois Sophie qui... On ne programme pas une découverte. Mais on peut se mettre dans les conditions de dire que si elle arrive, alors on a peut-être la chance qu'elle bascule vers la clinique très vite parce qu'on ne peut pas la louper parce qu'elle est là. Donc l'unité de lieu, c'est une chance extrême. Bien entendu, ça, c'est un travail monumental. C'était 20 ans de fondation, de financement, de difficultés. Mais juste vignette, l'unité de lieu. Quand c'est possible, c'est magnifique. Deuxièmement, ça suffit pas non plus. On a créé des programmes intégrés recherche et soins pour dire c'est pas des étages, c'est pas de la gouvernance, c'est pas des départements ou des divisions d'Imagine, surtout pas diviser ce qui est uni, mais c'est de l'animation. En disant, pour votre filière, c'est-à-dire développement, quand il y a quelques labos, quelques centres cliniques experts de référence, quelques plateformes et services du campus, on les associe, c'est un programme intégré recherche et soins. Aucune obligation, c'est juste de l'animation. Des séminaires, des trucs communs. Il y en a qui se réunissent tous les mois extrêmement denses. Il y en a d'autres qui font un séminaire tous les deux mois. C'est pas grave. C'est souple. On en a plié parce que ça marchait pas. Sans commentaire. On en a créé parce que ça marchait, sans qu'on le sache. Genre science des données. Il est nouveau, il a un an et demi. Il n'y a pas un financement dédié. C'est juste de l'animation, de la mobilisation. Troisième vignette, des plateformes. Ça, alors là, on n'a rien inventé. N'importe quel grand centre de recherche a des plateformes. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'on a pu faire, et d'autres le font, je pense à Bordeaux, c'est pareil chez vous, avec le Zebrafish, par exemple, c'est de dire, on met cette plateforme en continuité science clinique. L'IRM 3 Tesla de Nathalie fait de la plateforme aussi. La génomique, c'est une plateforme. La bioinformatique, c'est une plateforme. Et la collecte des données, et ça, c'est intéressant dans l'entrepôt intelligent de Nicolas Garcelon, Anita Burger et Rémi Salomon, Dr. Warehouse, ça aussi, c'est un élément extrêmement fédérateur de dire on a un entrepôt science et recherche. Vos bases de données cliniques, si vous le voulez, évidemment, vos comptes rendus, vos PDF, l'extraction automatique de documents et
les bases de données de recherche. Et ça, je trouve que c'est un outil absolument exemplaire pour donner une dynamique commune science et recherche. Autre vignette, on essaie, et ça c'est la chance d'avoir l'accélération des investissements d'avenir, on essaie de financer quelques programmes communs. Ça n'a pas du tout de volonté politique derrière, des programmes communs de science, évidemment. EDI, par exemple, c'est ce qu'on appelle un cross-lab. On a dit, on va essayer de monter quelque chose sur la photographie en syndrome malformatif et le data science de Nicolas Garcelon. Mais il y en a d'autres comme ça. Donc, unir par des programmes communs qu'on peut amorcer, lancer. On ne va pas pouvoir aller extrêmement loin avec EDI jusqu'à une start-up ou autre, mais on peut quand même lancer l'initiative et faire que ses collègues vont travailler entre scientifiques et médecins. Le fait d'avoir un écosystème de valorisation avec un institut Carnot, ça aussi, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui rayonnent dans Imagine Science et Médecine, les deux, guettant une innovation que parfois un chercheur ne va pas avoir. Comment dirais-je, le réflexe, c'est pas l'inventivité, ils l'ont, c'est des chercheurs, mais le réflexe de dire, tiens, ça, c'est peut-être intéressant. Et même chose du point de vue de la clinique, en termes de questions ou d'applications, ça, c'est intéressant. Et de dire, tiens, on a rencontré Sanofi, ça pourrait les intéresser. Ce système de valorisation est par lui-même, par essence, quelque chose qui fédère beaucoup, je trouve. Et puis le dernier truc, c'est de dire, de ne pas être seul au monde, de ne pas être tour d'ivoire, de s'ouvrir au campus. Ça, vous avez vu, c'est les labos associés, mais il y a plein d'autres programmes sur le temps protégé pour des jeunes médecins, des parcours MD-PhD. On n'a pas inventé ces choses-là. Encore une fois, il n'y a rien d'immodeste là-dedans, mais on essaie de les mettre en application. Et en même temps de dire, chaque fois que cela est possible, Imagine peut participer en tant que bon soldat dans les rangs à des programmes de bien plus grande envergure. Imagine, par exemple, est fondateur avec Curie, IGR et évidemment en majesté la PHP de Sequoia. On ne le sait pas beaucoup, mais ça a été un des éléments d'association. Et il y a plein d'autres choses comme ça que je voulais vous signaler comme piste. La dernière piste, et je l'ai mis en dernier parce que je crois que c'est ce qui rend possible les autres, c'est le public privé. C'est la possibilité d'avoir, dans une fondation de coopération scientifique, en même temps, l'agilité du privé, d'une fondation, de droit privé, vraiment, j'entends, comme une FRUP, comme Curie, comme Pasteur, et qui associe les partenaires publics à la table du conseil d'administration. Ça, c'est quelque chose de magique. Je ne sais pas s'il faut en faire 25 en France, parce que le PDG de l'INSERM, du CNRS, ça n'y arriverait plus, il ne serait pas très content. Il n'était pas très content, d'ailleurs, enfin, avant qu'il change. Mais cet outil-là, créé, vous savez, c'est la loi Goulard 2004 ou 2005, je ne sais plus très bien, qui dit on peut faire ces fondations qui ont le droit du privé, si je puis dire, mais les devoirs du public, le devoir d'excellence, d'évaluation, de qualité. Et cette association-là est fantastique pour pouvoir mettre en place tout ce que je vous ai dit. Voilà, c'est quelques pistes. Encore une fois, il ne faut pas qu'on soit arrogant. Ne nous les attribuons pas. Imagine d'abord parce qu'elles sont très générales. Et attribuons-les à ceux qui nous ont créés et que c'est l'occasion de remercier. Voilà, les amis. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci beaucoup. On mettra des questions de côté pour tout à l'heure. Okay. Et ben donc, nous allons continuer cette table ronde. Je vais avoir le plaisir... Alors, je n'ai pas cité les différents intervenants, mais donc, on va continuer avec le docteur Serge Ketoff, que je crois avoir aperçu. Voilà, merci beaucoup d'être là aujourd'hui, qui est chirurgien maxillofacial donc à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, et en duplex avec Jérémy Adam, qui est le président de l'entreprise Bone 3D. Donc, je pense que vous allez nous parler de la synergie entre le public et le privé et l'industrie, c'est ça ? Exactement. C'est ça, exactement. Donc, une présentation. Ben, voilà, je vous laisse la parole. Et donc, s'il y a des questions, encore une fois, envoyez-les sur le chat et dans le public, bien sûr, également. Bonjour à tous. Donc, je vous remercie de m'avoir invité cette très belle journée, vraiment extrêmement riche. Et je vais vous faire part de mon expérience, de ma modeste expérience, d'une collaboration donc médecin-ingénieur en tant que chirurgien maxillofacial. Cette collaboration, elle se fait sur un axe, comme on l'a dit, physique, finalement, une organisation physique, sur le bien nommé boulevard de l'hôpital, avec la Pitié-Salpêtrière et l'École nationale supérieure des arts et métiers, qui sont complètement voisins, et de quelques numéros sur ce boulevard de l'hôpital. Une collaboration donc médecin-ingénieur qui se réalise au sein de l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak, un laboratoire complet donc de biomécanique humaine
avec des capacités de calcul, mais aussi des capacités expérimentales in vitro et in vivo, avec des salles de chirurgie expérimentale et donc tout ce qu'il faut pour faire fonctionner le laboratoire. La collaboration, c'est un véritable apprentissage, et cet apprentissage entre le médecin et l'ingénieur, il peut se faire dans le cadre de Master 2, de projets de recherche. Et donc, au sein de l'École des Arts et Métiers, il y a une collaboration, un binôme qui se crée à chaque master de biomécanique entre un clinicien médecin et un ingénieur. Il va y avoir un programme différent pendant quelques mois où l'ingénieur va faire des leçons d'anatomie et apprendre tout le vocabulaire médical. Et pareil pour le médecin qui va faire 3-4 mois uniquement de choses qui ont attrait à l'ingénierie biomécanique. Et ensuite, un cursus commun avec un projet de recherche. Moi, j'ai réalisé un projet de recherche sur l'imagerie médicale qui avait été subventionné par Les Gueules Cassées, la Fédération Française d'Orthodontie. Moi, je fais partie d'une génération où on analyse cliniquement les radios encore avec des calques. Finalement, on pose des calques sur des radios. Et là, cette collaboration ingénieur-médecin, elle fait passer à un tout autre niveau toute l'analyse clinique. Donc, c'est là où j'ai pu travailler avec Jérémy Adam, qui était en thèse de science, qui m'a aidé à faire ma thèse de médecine, mais bien d'autres thèses de médecine à plein d'autres collègues que j'ai pu lui adresser pour aider à faire vraiment progresser les travaux. Parce qu'il y a un tout autre niveau d'analyse des formes et des images qui est en train de se mettre en place et qui peut se faire qu'avec des ingénieurs. Ensuite, à la fin de sa thèse de science, naturellement, Jérémy est venu me voir pour créer une entreprise qui s'appelle Bone 3D, qui est une entreprise sur l'impression 3D de dispositifs médicaux. Donc, c'est une entreprise qui a été créée à moitié par des médecins, à moitié par des ingénieurs. Cette entreprise, finalement, elle a retrouvé logiquement son installation sur le même site, finalement, dans le même axe, sur le boulevard de l'hôpital, à la Place d'Italie. Notre collaboration, elle a été amenée dans un but industriel à réaliser des modèles anatomiques pour l'apprentissage et la simulation de la chirurgie, donc des modèles imprimés en 3D, et ensuite aussi des dispositifs médicaux chirurgicaux. L'entreprise, finalement, Jérémy Adam, qui a été PhD aux Arts et Métiers, qui a créé son entreprise, il est passé un peu de l'autre côté. C'est lui qui va promouvoir finalement la recherche avec les hôpitaux et aussi les arts et métiers. Et donc, au sein de l'entreprise Bone 3D, il y a plusieurs projets de recherche, dont des projets de tests de sciences, tests chiffres, dont le docteur Jouffroy va nous parler cet après-midi. Et là, je laisse peut-être la parole à Jérémy, si ça fonctionne, qui va nous expliquer les moyens de financement et comment il gère la recherche au sein de l'entreprise. Merci beaucoup, Serge. Et merci beaucoup pour l'introduction, justement. Donc, effectivement, nous sommes rencontrés aux arts et métiers. C'était du coup lors d'un Master 2, et pour Serge, et puis pour moi, c'était lors de ma thèse de sciences. Effectivement, c'est un petit peu magique de pouvoir passer du monde de l'ingénierie au monde de la médecine, un petit peu, vraiment sans barrière. C'est une façon assez surprenante de continuer les études d'ingénierie, en tout cas de mon côté. Aujourd'hui, effectivement, on a, avec la société Bone 3D que j'ai créée, notre vocation, c'est d'écouter les médecins, de voir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs idées, et puis les aider en fait à pousser le projet et à franchir tous les caps depuis une idée, en passant par un prototype, et pour aller jusqu'à un produit qui va jusqu'à la commercialisation. Et effectivement, comme le disait Serge, aujourd'hui, on a développé plusieurs simulateurs de chirurgie qui permettent de faire de l'entraînement pour les jeunes chirurgiens et d'ailleurs pour des cas des fois complexes. Donc, on a des simulateurs de chirurgie sur mesure imprimés en 3D qui vont permettre de s'entraîner à un cas complexe, par exemple. Et sinon, effectivement, on promouvoit la recherche aujourd'hui via plusieurs facteurs. On reçoit des médecins qui viennent faire leur thèse de médecine sur des projets qu'on porte avec Bone 3D. On forme des doctorants. Comme l'a dit Serge, une doctorante CIFRE aujourd'hui qui travaille sur des crânes de sténose et dont il y a une présentation cet après-midi. Et enfin, on a toujours des projets en développement, c'est-à-dire que notre modèle fonctionne d'une manière qui s'auto-alimente. Plus nous avons de chirurgiens avec lesquels on travaille, plus nous allons avoir de produits que nous allons pouvoir proposer
à d'autres chirurgiens en fait dans d'autres centres. Et ces chirurgiens-là vont avoir d'autres idées qui vont nous permettre de toucher encore de plus en plus de centres. Et aujourd'hui, on a eu la chance en plus avec Bone3D de fonder la plateforme d'impression 3D, la PHP, qui permet aujourd'hui d'avoir en fait un site unique au monde, qui est une plateforme d'impression 3D au sein de l'hôpital Cochin, et qui permet aujourd'hui à n'importe quel médecin de la PHP de venir porter ses projets directement en fait à des ingénieurs, et ce qui permet quelquefois d'avoir des projets qui sont développés en 24-48 heures, et qui permet de répondre à des problématiques très 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 concrètes. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter, Serge, peut-être. Non, peut-être. Très bien. Merci beaucoup. Une question aussi, peut-être pour vous deux. Je ne sais pas si on m'entend avec ce micro-là. Est-ce que, dans la pratique hospitalière, on n'est pas forcément toujours au fait des contraintes de l'industrie, en fait, hein, des contraintes financières, et à l'inverse, quand on est industriel, parfois, je pense qu'on a peut-être besoin de recadrer un petit peu les opérateurs. Est-ce que ça a été simple pour vous deux? Est-ce que c'est encore parfois un sujet de friction? Ça peut arriver, ou au contraire, c'est venu naturellement? Je pense qu'on l'a pensé depuis le départ. Enfin, je démarre la réponse, mais je pense qu'on l'a pensé depuis le départ. Et effectivement, aujourd'hui, on s'attelle à fluidifier tout ça. C'est-à-dire que même en l'ayant pensé depuis le départ, même en y travaillant tous les jours, il y a toujours des points d'amélioration. Et aujourd'hui, on a, c'est pas de la friction, hein, mais c'est quelquefois, il y a des décalages temporels qui font que la pratique d'un côté et puis après la réalisation des pièces peut prendre un peu plus de temps que ce qu'on avait prévu, mais en général, c'est un circuit qui fonctionne assez bien. C'est vrai qu'on a peut-être tendance à appeler pour avoir un dispositif pour demain, toujours, voire pour hier. Quand c'est... Ouais. Oui, non, c'est pour ça que, de toute façon, il faut avoir ces occasions et d'avoir des ingénieurs même à l'hôpital, que ce soit dans le laboratoire privé ou au sein de l'hôpital, pour comprendre comment ça marche, tout simplement, quoi. Chacun doit comprendre l'autre, et ça aussi c'était un but de ce master. Les ingénieurs au début, ils ont quand même beaucoup de mal à comprendre la rationalité médicale. Ça peut partir un peu dans tous les sens, les choses un peu trop évoluées qui ont cliniquement pas beaucoup de sens, et donc ça fait partie d'un apprentissage, quoi. Concilier les différents points de vue. C'est ça. On va passer à la présentation suivante, donc avec le professeur Agnès Bloch-Dupont, donc, qui est présidente du Conseil scientifique d'Hypophosphatasie Europe, et monsieur Steve Urspong, qui est donc le fondateur de l'association. Je crois que vous avez un film à nous présenter. Est-ce que vous voulez dire quelques mots d'abord, ensuite, ou on peut peut-être éventuellement regarder le film qui présente votre association et vos travaux, puis après poser des questions? Ah ouais, ça me va. Entendez-vous? Oui. Parfait. Ok, bah si la technique est prête, dans ce cas-là, on peut effectivement faire démarrer le film et on posera les questions après. Merci beaucoup. C'est l'histoire d'une aventure humaine qui, partant d'un individu isolé, atteint d'hypophosphatasie, maladie génétique rare, verra, à force de persévérance, son aboutissement quelques années après. Avec la mise en œuvre d'un véritable maillage international de solidarité, où scientifiques, malades, bénévoles et partenaires institutionnels parviendront à faire de leur rêve inaccessible de traitement une réalité tangible, et ce, dans des délais inespérés. L'hypophosphatasie est une maladie génétique, osseuse et dentaire, très rare, liée au dysfonctionnement d'une enzyme, la phosphatase alcaline. Elle a été décrite pour la première fois en 1948. Elle concerne des adultes et des enfants des deux sexes. C'est une maladie complexe, avec plusieurs formes différentes, plus ou moins handicapantes, dont la plus sévère est mortelle. Les principaux symptômes sont la perte prématurée des dents, des fissures, des fractures osseuses, des malformations osseuses, une épilepsie et des douleurs. Le diagnostic de l'hypophosphatasie et sa prise en charge sont complexes, puisque chaque malade est quasiment unique dans l'expression de ses symptômes. Alors l'hypophosphatasie, c'est une maladie rare en fait, qui conduit très souvent à l'isolement des familles et des malades. En 2004, il n'existait aucune association à travers le monde, et donc avec une poignée de bénévoles, on a constitué Hypophosphatasie Europe. Notre volonté est toujours encore intacte aujourd'hui, elle est d'engager des actions de communication et de lobbying pour faire connaître et reconnaître l'hypophosphatasie, mais aussi d'impulser une réelle dynamique dans le domaine de la recherche et d'améliorer la prise en charge au quotidien des malades. C'est aussi évidemment porter l'espoir de nouveaux traitements efficaces.
Grâce à l'action de l'association et à son conseil scientifique international, de nombreuses initiatives ont été menées, notamment à travers l'organisation de deux symposiums mondiaux qui se sont déroulés en 2007 et en 2012. Hypophosphate Asie Europe, par son enthousiasme et son énergie, a également incontestablement joué un rôle moteur dans la mise en réseau et l'impulsion de collaborations actives avec les plus grands spécialistes de la maladie au niveau international. En France, par exemple, ça s'est traduit avec les centres de référence nationaux et le laboratoire de diagnostic d'Étienne Mornay par la création d'une base de données pluridisciplinaire autour de l'hypophosphate Asie, unique dans le monde à ce jour. Présente à tous les rendez-vous importants, l'association est reconnue comme experte de la maladie par tous ses partenaires et a notamment siégé, en 2010, à l'Agence européenne du médicament. Elle a par ailleurs eu l'occasion de financer directement plusieurs projets de recherche et soutient très activement le développement de toutes les pistes de thérapie en collaborant avec les industriels et en contribuant, aux côtés de son conseil scientifique international, à l'information et à la formation des professionnels de santé. Toutes ces actions doivent évidemment trouver un financement et l'association a mis en œuvre de nombreuses actions pour y arriver. Toutes ces rencontres sportives, culturelles et gastronomiques avec le public sont autant d'occasions pour médiatiser la maladie et l'action de l'association. Hypophosphate Asie Europe est une association très active grâce à ses nombreux bénévoles fidèles depuis des années. Ensemble, le combat continue. Nous comptons sur votre soutien. Ok, merci beaucoup pour cette présentation très très complète. Alors, on a pour l'instant un petit souci de retour vidéo, mais on s'entend très bien. J'ai une question pour M. Ousprung, justement. Est-ce que vous diriez donc, que c'est très bien que votre association ait joué un rôle actif dans la recherche et dans la création d'un lien, d'un tissu vraiment très très dense? Est-ce qu'il y a des écueils particuliers que l'on rencontre quand on commence à interagir justement avec les chercheurs, avec les cliniciens, quand on commence à avoir un rôle actif en tant qu'association dans la recherche justement contre une maladie, si vous... Il y a plusieurs étapes. D'abord, il faut se former parce qu'on est bénévole et on n'est pas professionnel. Donc, la constitution d'un conseil scientifique permet de côtoyer des gens qui ont des connaissances sur notre pathologie et c'est important de se frotter pendant de longues années à leur côté pour apprendre petit à petit. La mécanique de notre maladie. Les relations se forgent petit à petit et s'entretiennent. Donc ça, c'est la première des choses. C'est important qu'il y ait aussi du côté des associatifs qu'un seul interlocuteur qui permette aussi de faciliter l'identification et que chacun reste bien à sa place. C'est-à-dire que le médecin et le chercheur a son expertise, mais l'association peut aussi apporter son expertise. C'est le respect mutuel qui fait que des collaborations sont possibles.
Bien sûr. Et si vous aviez justement des conseils à donner à d'autres responsables d'associations qui pourraient nous écouter ou qui nous écouteront plus tard, que leur diriez-vous ? Alors, d'abord, il faut travailler sérieusement, parce que nous, on a toujours travaillé comme si on était une société ou une entreprise. C'est la crédibilité aussi de la démarche associative qui repose en fait sur ces actions-là. Quand on prend une décision au niveau d'une association telle que la nôtre, on ne revient pas sur notre parole. Ceci est important. Le temps de partenariat d'un médecin ou d'un scientifique, il est limité, le nôtre aussi. Donc, quand on fait des avancées, on les maintient. L'organisation de réunions, pour notre pathologie, par exemple, il y a de la génétique, des dents, des os, une enzyme, etc. Donc, il y a des spécialistes différents qui s'occupent, en fait, de notre prise en charge, mais qui n'ont pas de liens qui les fédèrent. Et donc, c'est l'association qui a beaucoup travaillé sur cette dynamique-là, parce qu'un malade, c'est un tout. La prise en charge, c'est un tout aussi. Et on ne peut pas juste avoir le prisme de la dent ou le prisme de l'os. Il faut que la prise en charge soit globale. Et donc, le fait de regrouper, en fait, toutes ces personnalités et ces experts autour d'une même table favorise aussi l'émergence de projets. Okay. Alors, j'ai plusieurs petites choses qui permettraient de faciliter du côté des associations ce travail-là. Enfin, en tous les cas, d'abord, je voulais la Fondation Maladies Rares a mis en place une conseillère recherche auprès des associations depuis janvier. Je voulais saluer cette initiative parce que c'est quelque chose qui manquait effectivement en termes d'accompagnement méthodologique, par exemple sur la mise en place d'une convention qui n'est pas un exercice forcément comme ça qu'on trouve de façon innée. C'est un montage juridique, etc. Donc il y a des clauses à prévoir. Et puis en termes de, il y a deux guides pratiques qui manquent pour moi pour les associations. Un premier qui est soutenir un projet de recherche pour les nuls, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire quelles sont les différentes étapes en méthodologie, peut-être des expériences de certaines associations, peut-être des exemples de conventions, des notions de budget. Donc ça, c'est des choses que peut-être la filière pourrait accompagner pour qu'un document puisse sortir un petit peu. Et puis un deuxième guide, je trouve, qui manque beaucoup, enfin moi qui m'a beaucoup manqué dans toutes ces étapes, c'est quand on est face à une industrie qui travaille sur le développement d'une thérapie, c'est de connaître les différentes étapes en fait auxquelles lui va être confronté d'un niveau réglementaire pour bien comprendre à quel niveau du développement on se situe quand on est en interaction avec eux. Bien sûr. Et puis enfin, j'ai un tout dernier point. Qui permet aussi de faciliter la vie des associations par rapport à cette thématique de la recherche, c'est, je pense, qu'il faut que quelqu'un nous accompagne, donc soit la Fondation Maladies Rares, soit la filière éventuellement, ou les deux, ou je ne sais pas. Mais en tous les cas, pour le montage peut-être d'appels à projets thématiques de recherche, parce que nous, par exemple, on a financé plusieurs projets de recherche avec un financement à la hauteur de ce qu'on pouvait. Mais on s'est débrouillé tout seul pour essayer de trouver l'équipe de chercheurs qui pouvait éventuellement répondre à cette demande. Et je pense que vous avez, au niveau de la filière ou au niveau de la fondation, une possibilité d'élargissement du spectre de candidats éventuels qui est beaucoup plus important que ce qu'on peut faire, nous, localement, dans une petite association. Quoi. Bien sûr, c'est justement une des pistes à suivre, et c'est un des rôles de la filière de faire le ciment, enfin de faire le lien, avant de faire le ciment en tout cas, entre les associations, les chercheurs, les cliniciens, etc. Et tout au moins de servir de contact, déjà être de facilitateur d'échanges. Professeur Bloch-Dupont, les relations justement initiales et actuelles avec Hypophosphatasie Europe, elles ont été simples, aisées, directes, ou est-ce que c'est venu progressivement ? Alors, ça s'est construit progressivement, évidemment, et ça s'est développé sur la base de l'interaction et du respect mutuel. Mais l'association a été tout à fait instrumentale dans sa manière d'aborder les choses et son souhait de privilégier les interactions avec le monde médical et le monde de la recherche. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé. Donc, ils ont investi leur énergie, leurs moyens dans ces interactions, ce qui a amené finalement organiser ces deux symposiums internationaux, ce qui a amené ces rencontres entre médecins, chercheurs,
ce dialogue à la fois national et international, tout naturellement la constitution d'un conseil scientifique qui accompagne l'association au fur et à mesure des sollicitations. Donc l'association est vraiment là le centre organisateur. C'est elle qui a insufflé cette dynamique et cette énergie à laquelle nous répondons avec grand plaisir. Je ne les vois pas. Merci beaucoup. En attendant, est-ce qu'il y a des questions dans le public pour nos... Oui, une question. Une remarque, allez, je vous passe le micro. C'est que l'exemple de l'hypophosphatasie est juste formidable, parce que là, on a trouvé donc un médicament, le médicament fonctionne, et les enfants, au lieu de mourir à 5 ans, continuent à marcher, ils font une croissance. Donc je trouve qu'effectivement, avoir choisi cet exemple est très illustratif de l'efficacité des médicaments qui se substituent. Bien et sûr. C'est une maladie qui a eu, entre guillemets, cette opportunité de médicaments thérapeutiques, ce qui n'est pas le cas pour tout. Par exemple, on a dans l'ectodysplasie 1, pour les anomalies dentaires de nombre, il y a souvent des problèmes de financement, des travaux en aval. Et donc vraiment, je voudrais souligner l'exemplarité de ce que vous avez choisi aujourd'hui, parce que les patients vraiment sont, entre guillemets, miraculés. Merci beaucoup. Et j'aurai le plaisir d'appeler au podium donc, Célia Mercier. Donc, vous êtes responsable Île-de-France de la Fondation Maladies Rares. Donc, nous avons été créés en 2012. Nous sommes une fondation de coopération scientifique, donc une fondation privée, mais qui a été... créée donc, suite au deuxième plan national Maladies Rares. Et nous avons vu le jour... nos membres fondateurs, en fait... sont représentatifs de tout l'écosystème des maladies rares, hein, que ce soit donc les patients, les chercheurs, mais aussi les cliniciens. Donc ces cinq entités donc constituent en fait notre conseil d'administration. Et donc notre objectif, vraiment l'essence même de la Fondation Maladies Rares depuis maintenant 9 ans, c'est d'accélérer la recherche pour toutes les maladies rares. Donc avec plusieurs, ça se décline selon plusieurs axes, l'axe de compréhension vraiment des maladies, donc, et notamment comme vous le savez, hein, les maladies rares sont, l'errance diagnostique est encore une problématique très très importante, donc il faut vraiment chercher à aider au diagnostic et à lutter contre cette errance diagnostique en identifiant au niveau génétique et moléculaire en fait la cause des maladies, aider aussi au développement de nouveaux traitements puisque à ce jour il y a encore près de 90-95% des maladies rares qui n'ont pas de traitement spécifique pour ces maladies, donc c'est vraiment un enjeu crucial. Et puis au-delà de ça, ce qui nous tient énormément à cœur aussi à la Fondation, c'est d'aider le quotidien des personnes malades, donc que ce soit les patients ou leur entourage, leur famille et les accompagnants. Donc pour ce faire, ce que nous avons mis en place, en fait, c'est un programme d'appel à projets. Donc nous lançons actuellement entre 5 et 7 appels à projets. Donc là, on est un petit peu bouleversé, je dirais, avec la crise sanitaire, mais notre rythme ordinaire, c'est environ 5 à 7 appels à projets qui sont ouverts annuellement et qui sont ouverts donc pour les chercheurs et les cliniciens du monde académique français, hein, donc les personnes qui travaillent dans le secteur public. Donc pour ce faire, nous allons donc financer en fait des projets de recherche qui vont pouvoir être réalisés sur des plateformes technologiques pertinentes. Et puis au-delà de ça, nous avons aussi d'autres actions. Donc là, juste un petit récapitulatif pour vous donner une photographie arrêtée à fin 2020. Sur ce que nous avons financé. Donc ça reste des financements relativement modestes, mais malgré tout, on est à plus de 390 projets de recherche qui ont été financés depuis 2012 et 11,7 millions d'euros qui ont été attribués
pendant cette période-là. Donc vous retrouvez les trois axes dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc la compréhension des maladies rares. Donc là, ça va regrouper tout ce que on a pu entendre ce matin, tel que du séquençage en fait de génome, d'exome, de transcriptome, donc avec plus de 4 millions d'euros qui ont été attribués. L'axe développement de nouveaux médicaments, donc là, on va être avec du financement de projets de type création de modèles animaux, donc plus ou moins gros modèles animaux. Hein. On peut avoir, par exemple, des zébrafiches ou des modèles murins, et puis aussi des études plus larges. Du criblage aussi de molécules potentiellement thérapeutiques. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui concerne un petit peu moins votre filière, mais c'est un axe qui est aussi intéressant. Et puis, troisième axe, donc l'amélioration du quotidien des personnes concernées par les maladies rares. Donc là, avec un appel à projet en sciences humaines et sociales qui est vraiment très, très important pour l'environnement maladies rares. Et nous avons eu 46 projets qui ont été financés à ce jour, avec la particularité, en fait, que ces projets de recherche doivent être construits par une équipe pluridisciplinaire, par un trio gagnant, qui est le chercheur en sciences humaines et sociales, le médecin expert de la pathologie ou de la famille de pathologie en question, et puis l'association de patients ou les associations de patients, quand elles existent, hein, pour vraiment monter ce projet et être sûr que la problématique à laquelle on s'attelle répond à des besoins aussi des malades. Au-delà de ça, la Fondation Maladies Rares fait plein de choses. Alors, c'est pas toujours très facile d'être plus exhaustif, mais nous sommes une petite équipe, hein, de 12 personnes, dont 6 sont des responsables régionaux, donc basés sur les principales régions hospitalo-universitaires françaises. Notre objectif, c'est vraiment d'être en proximité le plus possible avec les équipes de chercheurs, les équipes de cliniciens, qui sont notamment localisés au niveau des centres de référence, des centres de compétences, les filières de santé, bien sûr, pour aider à la mise en lien entre différents acteurs, pour aider à lutter contre l'errance diagnostique, à aller vers de nouveaux traitements pour les maladies rares, et à faire que des équipes qui sont a priori dans des domaines assez divers, puissent se parler et échangent pour construire des projets pluridisciplinaires qui aillent en fait vers des nouveaux diagnostics, des nouveaux traitements, des nouveaux projets de recherche pour aider le parcours de vie des personnes malades. Donc nous avons plusieurs typologies en fait de programmes que nous mettons en place afin d'aider tous ces partenaires-là à se rencontrer et construire des projets de recherche pour avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Madame Mercier dans le public ou en direct ? Peut-être pas tout de suite. Une question qui nous venait à l'esprit tout à l'heure, c'est, alors là vraiment c'est une question pour tous, est-ce que l'unité de temps et de lieu pour la synergie entre la recherche, les institutions et les associations de malades est importante ? Alors de lieu parce que ben, on travaille bien avec des gens qu'on voit quand même régulièrement, et s'il y a beaucoup de trajets à faire, ça complique objectivement effectivement la recherche. Et pareil pour l'unité de temps, on peut comprendre que les associations de malades aient envie de résultats rapides, bien sûr, parce qu'ils sont concernés au quotidien. Or, on sait que le temps d'appel à projet, de développement de recherche sont des choses qui prennent beaucoup de temps, des mois, voire des années. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à gérer ? Alors, on peut peut-être parler d'abord de l'unité de lieu. Je ne sais pas, par exemple, les locaux de Bonne 3D sont à la pièce à Pétrière, c'est ça ? Donc, les locaux, donc, c'est des locaux qui sont en place d'Italie. Effectivement, il y a eu ce choix de pas sortir de Paris initialement, alors que c'est quand même assez difficile d'un point de vue immobilier, pour être au plus près des médecins et des hôpitaux. Et l'unité lieu, donc ça, c'est clair que c'est majeur, hein, c'est un enjeu majeur pour réussir à faire des choses. On le voit pour le Covid ou pour d'autres projets. Sur l'impression 3D, comme c'est le prototypage rapide, si un ingénieur passe dans un hôpital ou pour un projet de master, on peut passer en une après-midi, on voit le clinicien entre deux blocs, on prend les données, le lendemain, on rediscute du projet, et quatre jours après, dans l'hôpital même, on a physiquement le projet, quoi. Donc ça, c'est vraiment impressionnant, c'est impossible de faire ça à distance, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et sur l'unité de temps, par exemple, ou de, enfin,
l'une ou l'autre. Alors, nous, à la Fondation Maladies Rares, on facilite en fait les collaborations entre ces différents acteurs. Nous ne sommes pas, à proprement parler, acteurs de ces collaborations. Et notre moyen en fait de pallier ces problématiques de lieu et de temporalité, c'est de créer des événements justement où ces acteurs se rencontrent. Donc ça peut être par exemple pour répondre à l'appel à projet en sciences humaines et sociales. On a eu le cas plusieurs fois. On a un chercheur qui nous dit « je veux travailler sur l'impact de la maladie rare invisible pour la scolarité des enfants, mais je ne trouve pas ou je n'ai pas de clinicien et ou d'association. Je n'ai pas identifié en fait ces partenaires-là. » Donc nous, c'est notre maillage territorial en fait qui va nous permettre de sonder un petit peu le terrain et de regrouper les personnes. Et là, le projet, dans ce cas, le projet a été lauréat et mène à des valorisations après pour les patients. Et puis, on a d'autres typologies de programmes où on va essayer de réunir en un temps, par exemple, un porteur d'innovation thérapeutique, un chercheur, et puis des entreprises du médicament ou des biotech qui souhaitent investir dans ces projets-là. Donc ça s'appelle le Club POC de l'innovation thérapeutique. Donc c'est un des moyens, je dirais, de répondre à cette problématique. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des remarques de nos hôtes en ligne également? Donc Mme Bloch-Zupan, M. Ursprung, M. Adam, s'ils sont encore là d'ailleurs. Alors, oui, tout à fait. Vous parlez tout à l'heure d'unité de lieu, effectivement. Enfin, pour rejoindre ce qu'a dit Serge aussi, je pense que effectivement, plus on est proche et plus on est à l'intérieur, en tout cas pour le partenariat public-privé, plus on est proche de l'hôpital, plus on va avoir des interactions courantes en fait. Et du coup, il y a des choses qui sont des fois auxquelles on pense sur le moment et qu'on oublie ensuite, et qui le fait d'avoir sur place un ingénieur en fait à qui vous pouvez parler de votre idée, à qui vous pouvez parler de votre cas, à qui vous pouvez parler de votre problématique actuelle, en fait, ça permet d'accélérer les choses, mais de façon complètement impossible à réaliser si c'est à distance. Je reprenais l'exemple de la plateforme d'impression 3D, justement, qui est aujourd'hui la PHP. On a des cliniciens à Cochin qui viennent nous voir pour des urgences le soir, et le lendemain matin, ils ont un modèle anatomique en fait, pour discuter du cas. C'est remarquable, effectivement. Ouais, ça. C'est quelque chose qui est impossible sans cette proximité-là, en fait. Oui, bien sûr. Moi, pardon, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Ouais. Donc ça dépend, je pense, du type de projet, parce que à partir du moment où on a tissé une relation interpersonnelle de confiance avec une équipe de recherche ou avec des chercheurs ou des médecins, on n'a pas forcément besoin de se voir physiquement. Il y a plein d'outils qui existent maintenant. On peut travailler à distance sur différents types de projets. On a parlé pour notre association du développement de la thérapie par remplacement enzymatique. On est aussi en collaboration avec une équipe au Japon qu'on a vu deux fois en tout et pour tout depuis plus de 15 ans, qui travaille sur une piste de thérapie génique qui est plutôt prometteuse sur le modèle souris à l'heure actuelle, et avec lesquels on continue de travailler très activement. On va encore avoir des réunions prochainement. Donc je pense vraiment que ça dépend de la typologie du projet, en l'occurrence, quoi. Alors je voulais juste aussi profiter, pendant que j'ai encore la parole, d'une petite précision ou d'une petite info, en tous les cas, par rapport aux associations qui se disent, comment on peut faire aussi pour soutenir un projet de recherche. D'abord, la simple existence de l'association peut permettre aussi de déclencher des financements pour des équipes de recherche. Il y a de plus en plus de dispositifs qui existent, vous l'avez souligné juste avant, où il faut qu'il y ait une association de malades qui soit partie prenante, soutien moral, dans des projets. Donc la simple constitution d'une association permet déjà de donner une visibilité en fait à la maladie dans un secteur. Et puis on peut déclencher des projets de recherche. Alors c'est pas du financement complet, mais c'est des compléments de financement. Tous ceux qui font de la recherche connaissent les financements croisés. Nous on a monté beaucoup de soutien autour de 10-15 000 euros, qui était une enveloppe qu'on arrivait à sortir pour des projets de recherche avec le CNRS, avec des labos privés, etc. Donc on n'a pas forcément 10-15 000 euros, ça peut paraître peut-être beaucoup. C'est pas non plus des milliards qu'on est obligé de collecter pour arriver à démarrer, à initier, à stimuler des projets de recherche. Bien sûr. Mais même sans parler de milliards, on peut quand même
je pense, avancer que, quelle que soit la taille des associations de malades, elles ont un rôle à jouer. Enfin, elles peuvent au moins servir d'interlocuteur dans la recherche, même s'il n'y a pas forcément de financement à côté ou d'assez de place pour un conseil scientifique complet. Enfin, je pense que leur présence et le fait d'être consulté est fondamental à tout point. Et dans la dimension de l'interaction avec les industriels, dont on voulait aussi éclairer un peu le travail qu'on pouvait mener, les informations que peuvent apporter des associations de malades en termes de retour, de vie quotidienne, d'expertise globale, etc., elle est très très recherchée. C'est vraiment la valeur ajoutée qu'apporte une association dans le travail de l'industrie. Hein. Ils ont besoin d'éléments, l'histoire naturelle et les composantes importantes dans les étapes, etc., etc. Donc, on a vraiment à un moment donné un rôle clé qui leur manque dans le cadre du développement de leur projet. Très bien. Absolument. Une autre question aussi, oui, Bénédicte. Je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'avait dit aussi Stanislas Lyonnais au début. C'est vrai que par expérience, l'unité de temps, elle est primordiale parce que je pense qu'on n'a pas tous la même temporalité. Les chirurgiens ont leur temporalité, les cliniciens ont leur temporalité, les associations ont leur temporalité, tout le monde a sa temporalité, les industries. Mais l'unité de lieu, pour moi, elle reste quand même primordiale parce qu'on s'aperçoit des fois qu'il suffit juste de traverser la rue pour voir que quelqu'un travaille dans un laboratoire sur quelque chose. Et parce que nous, on a peut-être une vision un peu globale du truc, ben, on ne s'est pas assez intéressé à quelque chose de plus spécifique et inversement. Donc c'est vrai que cette synergie, elle est, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on a l'impression qu'elle n'est quand même pas si simple au début, mais qu'elle va en s'améliorant au fur et à mesure qu'on se connaît, qu'on a mis un peu chacun ses jalons en disant voilà, nous on attend ça et nous on peut faire ça. Et que de plus en plus, c'est vrai qu'on n'est pas dans du 1 plus 1 égale 2, on devient sur du 1 plus 1 égale 3 ou 1 plus 1 égale 4, enfin, c'est vraiment exponentiel. Et vraiment, la part de toutes ces, que ce soit les associations, la Fondation Maladies Rares, l'industrie, je pense que c'est vraiment l'avenir pour nous, en tout cas pour nos sociétés. Et ce matin, quand on voyait ce matin, on a trois topos, on a deux topos plus, j'allais dire, cliniques et moléculaires, un troisième topo sur le fondamental, et on s'aperçoit que tout de suite, on pose une question sur le tissu. Ben, je sais pas, moi j'avais jamais pensé à aller prendre du tissu adipeux pour faire des études, et tout d'un coup, ben, ça éclaire à ma lanterne à me dire, ben, zut, j'ai manqué un truc, mais en fait oui, c'est logique quoi. Donc voilà, ça c'est l'apport, je pense, des liens qu'on peut tisser. Et c'est vrai que des fois on a l'impression que c'est aussi dû à des personnes, donc c'est vrai que c'est un facteur important, et c'est en ça qu'on est quand même pas peut-être au meilleur moment pour tisser ces liens, mais on... Ça va revenir. Après, c'est vrai que pour tisser des liens avec Tokyo, bah, c'est pratique de pouvoir avoir un Teams, hein, quand même. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais. C'est mon expérience. Je pense que c'est l'expérience de pas mal de gens ici. Mais nous, en tout cas, on travaille avec les associations tout le temps, avec la Fondation Maladies Rares tout le temps. Enfin, l'industrie, c'est un peu plus. C'est encore un milieu qu'on a plus de mal à appréhender. Et on le voit aussi, c'est peut-être aussi notre culture qui est moins anglo-saxonne. Donc voilà, ça, je pense que c'est un vrai plus. Il faudrait vraiment réussir à améliorer ces collaborations. Absolument. Et c'est une question que je voulais poser à Stanislas Lyonnais, mais je le poserai plus tard puisqu'il n'a pas pu revenir parmi nous. C'était de savoir s'il imagine l'Institut était tel qu'il avait été pensé actuellement, ou s'il y avait eu des grosses modifications à faire lors du développement, ce qu'il y avait des coups de barre à donner à gauche, à droite. Et ça, c'est effectivement, ce serait important de le savoir, pour savoir si d'emblée ça avait été pensé tel que c'est, c'est-à-dire que c'est un modèle de fonctionnement, ou s'il y a eu des grosses modifications à faire pendant le développement. Voilà, donc je ne sais pas. Une dernière petite remarque, c'est bon, pas pour faire la promotion de cette journée, mais quand même le fait de se rencontrer, effectivement, on voit qu'en quelques heures il y a pas mal d'interactions et de compréhension des modes de fonctionnement des autres intervenants qui se fait. Est-ce que vous pensez qu'il y a une fréquence de rencontres optimale? Certes, effectivement, c'est compliqué de nos jours à cause du masque, à cause de la distance, et n'empêche que les moyens techniques font qu'on se parle sans difficulté. Est-ce qu'il est important de se rencontrer régulièrement, et si oui, à quelle fréquence? Très très grossièrement, en fait. Est-ce que vous rencontrez régulièrement, par exemple, des réunions de travail, mis à part juste, par exemple, pour prendre des mesures pour un patient, est-ce qu'il y a des réunions de travail régulières entre les équipes de Saint-Joseph et Bone 3D, ou est-ce que ça se fait vraiment au fil de l'eau, à la demande?
Nous, on a une relation quasi personnelle, donc ça se fait à la demande. Mais si je peux parler en tant que médecin, c'est sûr que les réunions comme ça, ça fait un petit moment que je n'avais pas participé à de telles réunions, et ça fait du bien. Et ça me manquait, parce que normalement, il y a au moins minimum 2 fois par an. Il faut quand même voir différents collègues 2 fois par an, sinon on stagne, quoi. Donc c'est hyper important. Alors je vous remercie aussi parce que ça fait longtemps que je ne suis pas sortie de ma tanière. Donc, mais de rien, c'est un plaisir. Alors, juste peut-être pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, un petit exemple de mise en lien. Nous avons accompagné par exemple un chercheur qui développe une thérapeutique dans du neuromusculaire, mais qui est 100% chercheur, si je puis dire, entre guillemets, et qui se posait la question de la meilleure voie d'administration pour passer vers l'étude clinique. Donc nous, par exemple, notre rôle, et là c'était une question de personne aussi, c'est que nous avons pu identifier un clinicien qui pouvait lui apporter cette expérience-là et dire, ben, pensez déjà à cette voie d'administration-là sur votre modèle animal pour aller vers quelque chose qui sera qui a plus de chances de réussir. Voilà. Après, des occasions de rencontres. Alors, nous, ce sont normalement, nous sollicitons en fait les chercheurs et les cliniciens pour venir les rencontrer et avoir leur retour sur leurs besoins, surtout dans un premier temps sur les appels à projets, puis après sur les aides qu'on peut leur apporter. Alors évidemment, les journées filières sont très intéressantes et vraiment une bonne opportunité de rencontrer beaucoup de personnes. On est amené aussi à accompagner donc des chercheurs qui ont des projets et qui souhaitent aller vers l'innovation et aller vers des applications. Alors nous, c'est vrai qu'on est aujourd'hui, on accompagne quand même plus de projets thérapeutiques, donc on est sur un timeline, je dirais, beaucoup plus long quand même que ce qu'on peut entendre en termes de d'impression 3D, par exemple. Mais on essaye de s'ouvrir quand même aux dispositifs médicaux aussi et à l'accompagnement à d'autres projets. En tout cas, 2 fois par an, si vous voulez, nous présentons donc des projets portés par des chercheurs qui souhaitent être en relation avec des entreprises du médicament et des biotech qui font partie de notre club POC. Donc ça peut être une temporalité aussi, de se dire 2 fois par an, il y a cette possibilité, en tout cas, de participer à une session du club POC et qui va s'ouvrir vers des projets qui seront peut-être plus intéressants. Alors, on l'espère, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Professeur Bloch-Dupont, je crois que vous avez une expérience aussi dans la création de projets dans ce domaine-là. Oui, je vais changer de casquette, bien que par rapport à l'association, je dirais que travailler en collaboration avec une association, c'est aussi un gage de motivation. On a ce contact direct avec les malades, les acteurs, ils ont des demandes, des attentes, et travailler leur écoute est, à mon avis, quelque chose d'indispensable. Donc, en changeant de casquette, là, j'ai effectivement pu bénéficier de l'accompagnement de la Fondation Maladie-Rare, structure remarquable, et ceci à 2 reprises, dans un projet de génomique. Enfin, c'était une analyse par exome qui nous a permis d'aboutir à la découverte d'un nouveau gène impliqué dans le développement de la dent. Et plus récemment, pour un projet en e-santé, nous avons été lauréats de l'atelier e-santé. Et je dois dire que cet accompagnement nous permet de développer, de rencontrer des acteurs du domaine de l'e-santé et d'aller plus loin, de se poser les bonnes questions, puisque ce n'est pas forcément notre financement et notre expertise initiale. Mais grâce au réseau, aux acteurs réunis par la Fondation, ça nous permet d'aller plus loin. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore... Oui, bien sûr. Bien sûr, des questions. Je trouvais qu'il y avait une dimension intéressante dans ce que nous a dit la Fondation. C'est que vous avez une installation régionale. Or, là, je vais partir... On a parlé de la problématique de la centralisation et de cette communauté d'expertise qui est Imagine, mais on a une autre fonction dans la filière qui est d'aller jusqu'au bout, du fin fond de la campagne pour que la personne... Donc, est-ce que vous avez... Pourquoi vous avez fait une installation régionale et comment vous avez ce regard
sur l'aspect social, cette fois-ci, médico-social, de l'accès dans le cadre des maladies rares. Est-ce que vous avez une politique avec l'ARS? Parce que c'est quand même une difficulté. Alors, à la création de la Fondation Maladies Rares, l'objectif, c'était d'être ancré dans tous les territoires, comme on dit aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle la moitié de l'équipe est basée en région, vraiment pour être au plus près, en fait, des acteurs du soin, de la recherche et des associations de patients aussi. Et ça nous permet d'accompagner vraiment au plus près les projets. Mais c'est dépendant, évidemment, des relations qui ont pu se mettre en place. Et la manière que nous avons de faire, c'est de prendre contact, par exemple, avec les chefs de projet en région des filières, faire des présentations, rencontrer les équipes dans les différents instituts pour se faire connaître et pour identifier, en fait, les projets qui nécessiteraient un accompagnement qui peut être, en effet, aussi médico-social, aider à monter un projet de recherche. Et j'en profite aussi pour ajouter qu'il y a une personne à la Fondation Maladies Rares qui gère aussi l'aspect association et qui aide à construire des projets de recherche pour les associations. Donc cette personne est dédiée aussi à cet aspect-là. Voilà, donc nous, c'est vraiment ce rôle-là en région. Merci beaucoup. D'autres questions dans le public? Oui. C'est pas une question, c'est juste pour une remarque pour la Fondation Maladies Rares. Enfin, moi, vraiment, ils m'ont beaucoup aidé dans le développement des projets, effectivement, et à identifier les premiers gènes du spectre OAV. Et je trouve vraiment, je souligne effectivement cette disponibilité. Et puis cette adaptabilité qui fait qu'au départ, là vous parlez de thérapeutique, mais finalement, moi c'était essentiellement sur la production d'exomes et de génomes via des appels à projets, mais vraiment une grande disponibilité. Ça nous a permis vraiment de pouvoir identifier tous ces gènes. Et encore aujourd'hui, même si les génomes et les exomes sont plus facilement accessibles, on arrive. Vous avez encore ce type d'appel d'offres, et puis également sur les modèles animaux, enfin, voilà, et la thérapeutique. Donc c'est un grand éventail d'aide finalement pour les laboratoires de recherche, que ce soit en province, pour nous, ou à Paris. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. On est parfaitement dans les temps. Est-ce qu'on a des questions en ligne, peut-être? Ou pas? Non, pas particulièrement. J'en profite aussi pour rappeler que nous avons au sein de la filière le projet d'une journée médico-sociale, on l'évoquait, alors qui est pour l'instant juste en projet, justement, mais qui on vous tiendra au courant dès que ce sera plus avancé pour en ce qui concerne la date et le contenu, bien sûr. Une dernière remarque ou question de la part de nos participants à cette table ronde. Merci beaucoup déjà, en tout cas. Moi, j'ai juste encore une toute dernière petite chose par rapport aux associations. Le rôle qu'a aussi une association, c'est de répondre aux autorités de régulation. Donc, l'HAS, enfin voilà, l'Agence européenne du médicament, on l'a entendu dans le film. Il y a différents moments où il y a des expertises, même les centres de compétences de référence sont expertisés, les filières sont expertisées, et c'est aussi le rôle des associations de malades de faire des retours constructifs, évidemment, mais on est des acteurs pleinement pris en considération dans tous ces organismes, et il faut aussi être présent et pas laisser les chaises vides. Donc il faut que les associations, elles se motivent pour s'intéresser à ces sujets-là, parce que si nous, on n'est pas acteurs, si nous, on n'y croit déjà pas, à la base, ça ne va pas avancer. Donc, il faut vraiment que les associations s'emparent de ces sujets-là. Okay. OK. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions dans le public, je crois qu'on va clore cette matinée. Je tenais vraiment à remercier tous nos participants de ce matin, donc tous les participants de la table ronde, qu'ils soient physiquement ici ou en ligne, nos intervenantes également de ce matin pour la qualité des présentations. Et encore une fois, on essaiera de donner suite autant que possible pour dans d'autres journées de présentation, matinée. Enfin, on verra quel format utiliser. On se retrouve dans une heure à peu près à 13h30 pour la suite de cette journée recherche et innovation. Je tenais aussi à préciser qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent en ligne, à la fois sur le site, sur YouTube et en direct, même plus que ce qu'on espérait initialement. Donc c'est très bien qu'on continue. Merci beaucoup. Et une dernière remarque ou question peut-être? Ou sinon, très bien, on a terminé. Bonne pause. Merci encore à tous et à tout à l'heure.